Je voudrais souligner le premier objectif de la politique agricole que j'entends contribuer à mettre en place pour la région des Pays de la Loire. C'est une politique agricole fondée sur le juste prix au producteur. Aujourd'hui, le prix payé par le consommateur permet de bien rémunérer le producteur, de bien rémunérer le distributeur, de bien rémunérer le commerçant. Chacun y trouve son compte et le consommateur doit avoir accès aux produits de la meilleure qualité possible. Parce que j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de travailler avec Alexis Gourvennec, fondateur de la SICA Saint-Paul en Bretagne, parce que j'ai eu le plaisir de côtoyer Jean-Michel Lemétayer, puis Roger Belin, puis Christiane Lambert. Je sais à quel point le sujet agricole est d'une importance vitale pour nos territoires et d'une importance vitale pour notre région des Pays de la Loire. C'est pourquoi je souhaite redonner vie et sens à ce qui a été le principe même de l'essor agricole de la France dans les années 60, une nourriture de qualité à des prix accessibles à tous.